light coming. No matter what it is that I'm facing. Hey guys, what's up? This is Travis Green. I'm headed to one of my favorite places, Warri Delta State, and hanging out with my good friends, Reverend Eagle and the Glorious Fountain Choir. This is going to be an incredible conference this July. I need everybody to plan to be there. It's called Revival, Fire, Power, and Glory. That's right. It's a worship encounter right there in the City of Refuge every day at 3 p.m. July 20th through the 22nd. Listen, do what you can do to be in the place so we can worship and go up together. I can't wait to see you soon. Love you. Alléluia, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion, Glorium. C'est ici une bonne journée. Dieu a quelque chose de bien pour vous. Ses plans pour vous sont bons, ne sont pas mauvais. Des plans pour vous donner une future attendue. Dieu a un bon plan pour quelqu'un aujourd'hui. Je peux le voir dans l'esprit, une dame qui a une bonne bénédiction du ciel. Je le vois maintenant. Vous attendez le Seigneur pour gérer un aspect de votre vie. Et aujourd'hui, quelque chose de bien arrive pour vous. Je vous vois assis avec un sourire. Je le vois dans l'esprit. Il ne se passe pas maintenant. Mais je vois où Dieu vous amène. Et très tôt, ce que vous désirez sera une réalité. Et la gloire de Dieu changera le moment mauvais dans un moment formidable. Alléluia, vous êtes encore le bienvenu à cette dévotion au règne de la gloire. Nous avons considéré Jean chapitre 3 et on a vu la réponse de Jean concernant Jésus, le ministère de Jésus. Ses disciples lui aborda et lui dit, l'homme que tu as baptisé, il est réussi maintenant et lui aussi il le baptise et la foule va à lui. Et Jean le regarda et dans vers 26 et 27, il dit, personne ne peut recevoir rien si ce n'est pas donné du ciel. Et on doit être constant avec ce que Dieu donne. Et il a dit aussi dans verset 28, je veux que vous sachiez ceci, vous-même, vous êtes mes témoins lorsque je dis que je ne suis pas le Christ. Si je vous ai dit que je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le Christ, vous devez comprendre que quelqu'un d'autre l'est. Et je l'ai montré à vous. Et si je réussis maintenant, ça veut dire que mon tâche est faite. J'ai réussi parce que je suis venu comme la voix, le précurseur de cette Messie. Et si en baptisant, vous devez célébrer. Il a dit aussi dans verset 29, voyons, c'est lui qui a la fiancée et le fiancé. Notez cela, c'est lui qui a la fiancée et le fiancé, mais le garçon d'honneur qui se tient à ses côtés et qui l'écoute se réjouit grandement et chaleureusement à cause de la voix du fiancé. C'est alors mon plaisir et ma joie, et c'est maintenant terminé. Notez cela, Jean le savait. C'est formidable comment Jean, après, il était surpris lorsqu'il a envoyé des disciples vers Jésus pour lui demander, es-tu le Messie ou devons-nous attendre un autre? C'est formidable, mais restez ici avec ce que nous faisons aujourd'hui. Jean a regardé ce qui est passé, il a dit aux disciples, à ses disciples, c'est lui qui a la fiancée et le fiancé. Mais vous savez quoi? Le garçon d'honneur, il se réjouit grandement en entendant la voix du fiancé. Alléluia! Lorsque vous êtes le garçon d'honneur dans un mariage veut que toute chose va bien dans le mariage. Il ne s'agit pas de le garçon d'honneur, mais de le fiancé. Si vous êtes dans un mariage et le garçon d'honneur, il cherche l'attention et il se fâche parce que l'attention est sur l'épouse, il y a quelque chose qui ne va pas là.
dans un mariage, l'attention n'est pas sur le garçon d'honneur, mais sur le mari. Donc vous devez vous poser la question dans votre contexte. Est-ce que vous êtes le marié, le mari ou le garçon d'honneur? C'est très grave. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils agissent comme s'ils sont le mari. Dieu vous a appelé pour soutenir quelqu'un, mais vous agissez comme c'est vous qui doit être soutenu. Est-ce que vous êtes le garçon d'honneur ou le mari? Pensez à ceci. Si votre rôle est d'être le garçon d'honneur, ça veut dire que votre rôle est de gérer les choses pour le mari. Lorsque vous vous trouvez en colère parce que à cause de la voix du mari, il y a quelque chose qui ne va pas. Je considère qu'une situation maintenant, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la voix de quelqu'un qui réussit. Ils le voient sur les réseaux sociaux, ils ne veulent pas le voir, ils le suppriment ou ils sont sur les réseaux sociaux et ils ne veulent pas aimer ou partager ou commenter. Pourquoi? L'esprit de la jalousie. Mais vous voyez, si vous connaissez votre place et la place de le garçon d'honneur, vous allez aimer, vous allez commenter, vous allez partager, vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir parce que le mari a trouvé, le fiancé a trouvé sa fiancée. Parce que lorsque c'est votre temps, vous voulez que les gens se tenaient avec vous comme le garçon d'honneur. Donc, si vous êtes le garçon d'honneur, faites tout ce qui est votre pouvoir pour plaire au mari. Ne vous mettez pas en colère, ne soyez pas jalousie, mais plutôt vous êtes content. C'est ce que Jean parle. Il dit, pour moi, je suis le garçon d'honneur. C'est ce qu'il a dit dans verset 29. C'est lui qui a la fiancée et le fiancé. Mais le garçon d'honneur qui se tenait est prêt, qui entend sa voix, il se réjouit chaleureusement à cause de la voix de le fiancé. Voici mon plaisir et ma joie, et c'est complète maintenant. Comment reconnaît-on les gens qui ont des motifs sinistres? Ils ne se réjouissent pas lorsque la personne réussit. Il veut être voir, être entendu et reconnu. Si vous vous trouvez servant quelqu'un, quelque place, n'importe quoi, n'importe qui, et vous voulez prendre la vedette, le centre, c'est le mauvais esprit. Vous devez vous mettre en ordre. Beaucoup de gens sont dans l'église, dans la place des affaires, dans nos bureaux. Ils ne reconnaissent pas leur place. Ils sont hors d'ordre. Ils parlent comme ça. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est en colère à cause de la réussite de quelqu'un d'autre, soyez, gardez-vous. Si vous êtes le garçon d'honneur, vous ne vous mettez pas en colère, mais vous vous réjouissez parce que le fiancé a obtenu sa fiancée. Parce qu'un jour, ce sera votre tour. Si vous aimez le Seigneur, vous ne devez pas avoir le peur, vous ne devez pas être jaloux, parce que vous savez que ce sera votre tour. Quelqu'un qui m'écoute maintenant, la gloire de Dieu vient sur votre vie. Vous servez d'autres, vous avez fait ce que vous devez faire, vous avez parlé les bons mots, vous avez été au bon endroit, au bon moment. D'une manière similaire, Dieu va vous bénir. Il va vous bénir avec le don des hommes, avec le faveur, il va vous faire réussir. Je déclare que c'est bien avec vous, votre corps, votre âme et votre esprit. Jusqu'à demain, par la grâce de Dieu, je suis Igor Louis Yemeburu. Que Dieu vous bénisse.